Hey yo les gens, c'est Parlons Rock'n'Roll, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Aria Clan, une vidéo nostalgique avec un gameplay d'anthologie. Donc si jamais tu as vu au titre et à la miniature, normalement c'est notre plus beau gameplay, voire notre meilleur gameplay sur la chaîne de l'Aria Clan. Donc les amis, avant de commencer la vidéo, si on pouvait viser les 400 likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et peut-être pourquoi pas faire d'autres vidéos de ce genre, vidéo peut-être analyse d'anciennes vidéos qu'on a fait sur la chaîne de l'Aria Clan, ou bien voilà des petites vidéos nostalgiques comme ça, bah ça ferait super plaisir. Du coup les amis, aujourd'hui comme je vous ai dit, on se retrouve pour un gameplay d'anthologie réalisé il y a au moins je pense allez 9 mois par Zir, donc par Arya Zir, l'ancien leader de la chaîne de l'Aria Clan. Il faut savoir que Zir était le premier leader founder avec Telium et tout simplement il avait décidé de se consacrer à ses études et c'est tout simplement moi qui l'avais remplacé, donc je crois que je l'ai remplacé il y a à peu près 6 mois. Donc franchement, si tu connais à peu près ce genre d'histoire, c'est que vraiment t'es un ancien sur la chaîne de l'Aria Clan. En tout cas, si tu as connu ce gameplay le jour où il est sorti sur la chaîne, bah n'hésite pas à marquer un petit commentaire avec le hashtag fidèle, parce que franchement si tu connais cette vidéo, enfin si jamais tu as vu cette vidéo le jour où c'est sorti, c'est à dire vraiment que t'es un survivant de la chaîne de l'Aria Clan, parce que c'est, je pense, ouais, c'est la 3e vidéo qu'on ait mis sur la chaîne de l'Aria Clan. Donc franchement, bah n'hésite pas à mettre le hashtag fidèle si jamais tu l'as vu. Du coup les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le World First de la nucléaire au Gangbox. Donc c'était le jour de sa sortie, je crois que c'était il y a au mois d'août que les Gangbox étaient sortis. Et du coup c'était notre player Arya Zir qui l'avait réalisé. Donc il avait réalisé la première game où les Gangbox étaient sortis. Donc franchement c'était vraiment un gros gameplay. Donc voilà, il était en G6 avec Avenius qui est aussi un ancien membre de l'Aria Clan, Telium, Zir. Après je sais pas avec qui d'autre il était. Oui là, Terma qui est toujours Arya actuellement. Donc vraiment si vous regardez actuellement qui sont les membres les plus fidèles de l'Aria Clan, enfin qui sont restés depuis la création de l'Aria Clan, il doit y avoir moi, Pago qui est donc un designer de la chaîne de l'Aria Clan, il doit y avoir moi, Telium, Pago et Thermal. Donc vraiment c'est les seuls membres qui restent depuis la toute création de la chaîne de l'Aria Clan. Enfin bref, encore moi. Enfin désolé si je dis beaucoup de l'Aria Clan parce que ouais, je crois que ça fait quand même pas mal de fois que j'ai ce mouvement. Enfin bref, du coup voilà, donc je crois qu'on est vraiment les 4 survivants de la chaîne. Et du coup bah voilà, on est les anciens, c'est pas les petits Baba Swix qui vous auraient fait ce commentary. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce commentary parce que ça me tenait à cœur de, voilà, de vous représenter un gameplay. Donc c'était bien sûr au Gangbox sur la map Hunted en domination core. Donc comme je vous ai dit, c'était un gameplay qui a été réalisé juste après que les Gangbox ont été sortis, ouais, je sais pas si je vais dire, enfin bref. Du coup pour ceux qui ne savent pas, les Gangbox c'était pas une arme qui était débloquable dans le marché noir, c'était une arme qui était débloquable après avoir réalisé un défi. Donc je me souviens plus exactement ce que c'était quoi le défi, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous en rappelez. Bon, maintenant que je vous ai bien présenté ce gameplay, je pense que je peux passer au drama de l'époque qui avait créé ce gameplay. Enfin bref, donc comme je vous ai dit, c'était bien sûr l'Aria Clan qui avait le World First nucléaire au Gangbox. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait tenté d'envoyer cette vidéo à code QG, bien sûr. Voilà, tu vois, tu fais un World First, tu vas tenter d'envoyer à code QG. En plus je crois à l'époque on avait même pas 300 abonnés. Du coup on avait tenté à code QG et qu'est-ce qui se passe, c'est que la War Sanity Clan, donc maintenant je crois que c'est Gogeta qui, enfin c'est Gogeta qui a renommé cette chaîne, enfin bref. Donc du coup à l'époque la War Sanity Clan avait également fait le World First mais cette fois-ci sur PC et on a vu le seum parce que tout simplement ils avaient aussi tenté d'envoyer à code QG et c'était aussi tout simplement eux qui s'étaient fait upo. Du coup il y avait un gros drama par-dessus, il y avait Gogeta qui s'entendait pas du tout. Faut vraiment que, enfin faut savoir qu'à l'époque voilà, Gogeta et Telium ne s'entendaient pas du tout par rapport à la War Sanity Clan et à l'Aria Clan, que ce soit pour les cups ou bien voilà pour tout, en fait ils s'entendaient pas. Et maintenant il faut savoir que voilà, Gogeta était même passé par l'Aria Clan. Du coup il faut savoir que dans la performance il y a beaucoup de personnes qui changent d'avis, il y a beaucoup de réconciliations, comme il peut y avoir beaucoup de conflits. C'est ça qui est aussi intéressant au niveau de la performance, c'est que c'est un peu comme la vraie vie, mais enfin après c'est mon pressenti, c'est comme la vraie vie mais x10. Ça veut dire que du jour au lendemain tu peux être pote avec un mec comme tu peux le haïr le lendemain, puis voilà, c'est assez marrant ce qui se passe dans la performance et c'est aussi ce qui donne un peu de peps, on va pas se le cacher. En tout cas les potes, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo, de la présentation du gameplay, la présentation un peu de l'histoire du gameplay, enfin bref. Du coup les potes, comme d'habitude, si jamais tu veux nous montrer que t'es un fidèle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de l'Aria Clan, à activer les notifications, ça nous ferait extrêmement plaisir, à mettre le hashtag Aria fidèle, enfin le hashtag pardon fidèle si jamais tu as connu cette vidéo le jour de sa sortie. Et voilà, si jamais les potes, je vous mettrai les logos de la Aria Squad dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo pardon, parce qu'on en a fait des nouveaux, puis pas tout le monde est au courant, on avait fait juste vite fait une petite pub sur Twitter. Donc si jamais vous voulez nous représenter nos couleurs, notre logo, bah n'hésitez pas à aller checker la description, il y aura des nouveaux logos de la Aria Squad. Du coup les potes, c'était Pendant Rock'n'Roll aux commandes de la chaîne de l'Aria Clan. Moi je compte sur toi pour aller t'abonner à ma chaîne qui sera bien sûr en description. Je compte vraiment sur toi, il manque 30 abonnés pour avoir les 6800 abonnés. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye.